teeth don't run, the teeth don't, no, the teeth don't run. Bonsoir à tous et bienvenue. Petit clin d'œil. Beaucoup vont comprendre à mon introduction qui est l'invité du soir, mais on verra pas tout le monde, mais certains en tout cas. On ferme la parenthèse. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Intégral Foot avec vous. Béchir Ben Mefta, la présentation comme d'habitude. Et avec moi, Clément Pernia, Lloyd du Château aussi, la Dream Team, l'équipe habituelle. Ce soir, grosse émission, beaucoup de révélations, donc restez jusqu'au bout. Juste, n'oubliez pas de partager, de commenter, de retweeter, de liker, tout ça. Ça nous ferait plaisir et surtout, ça nous aiderait. Donc voilà, merci à vous les amis. Je laisse Clément Pernia présenter notre invité. À toi Clément, qui est l'invité du soir? S'il nous régale de par ses ouvrages et ses biographies, c'est par ses vidéos YouTube qu'il brille au quotidien. Né français, il est aujourd'hui espagnol, uruguayen, argentin, mexicain, coréen. Bref, ce citoyen du monde nous fait voyager chaque jour de par les connaissances qu'il véhicule sur les différents réseaux. S'il a quelques difficultés à tourner une vidéo parfaitement, c'est pas grave. La qualité de ses t-shirts compense et de loin ses quelques anomalies. Aujourd'hui un incontournable du monde du football, il nous fait l'honneur d'être avec nous, Monsieur Romain Molina. Merci Clément. Vous l'avez compris, notre invité ce soir est journaliste, écrivain et aussi vidéaste. Très ravi d'accueillir avec nous ce soir Romain Molina. Bonsoir Romain, bienvenue à toi. Merci pour l'invitation et vidéaste, non, on va quand même pas déconner. YouTubeur, quand même. Ouais, on va dire que je m'exprime de manière orale vu que je n'ai pas vraiment d'autre manière de le faire et que je n'ai rien, donc... On va dire ça comme ça. Bah écoute, bienvenue à toi en tout cas, très ravi de t'avoir. Avec moi ce soir, Clément Pernia, salut Clément. Salut Béchir, salut à tous. Et Lloyd du Château, salut. Salut Clément, salut Béchir, salut. Alors on va vite commencer sur la Coupe du Monde. Toi qui es un fan de foot, un passionné de foot, t'es ravi ou pas de cette phase de groupe déjà? Est-ce que t'es conquis par le spectacle, etc.? Je pense que vous avez regardé beaucoup plus de matchs que moi, parce que je ne suis pas un très gros consommateur de football. Je regarde quand j'ai envie de regarder ou quand je connais des mecs. Donc, sûr que l'Uruguay, vu que je connais certains qui sont en sélec, je vais plus les regarder que d'autres. Alors qu'au même instant, il y a quelqu'un du PSG qui m'appelle, c'est magnifique. Bref, plus sérieusement. Non, il y a des choses intéressantes. Moi, j'ai trouvé que les mecs étaient lessivés physiquement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais tu sens que les mecs des très gros clubs sont complètement KO, pour la plupart. Je trouve que le jeu est ultra chiant. Honnêtement, je me fais chier comme pas possible en regardant la plupart des matchs. Je trouve que ça manque d'idées. On favorise les équipes qui n'ont pas vraiment d'idées de jeu, je trouve. Et justement, ça devient une force un petit peu. Alors après, t'as quand même des bonnes surprises. Après, la Coupe du Monde, c'est toujours un bon moment pour essayer de voir au-delà du football. Après, c'est mon avis, quoi. Mais allez, attention à l'Uruguay, je pense qu'ils vont faire chier du monde, par contre. Et c'est typiquement le genre d'équipe qui peut passer, j'ai l'impression, parce que c'est pas génial. Mais eux, au moins, c'est cohérent. Eux, ils ont un plan. Et moi, je trouve ça effarant. Il y a des équipes. Alors, tu prends la France. On dit, ah, on est bon au contre. Mais la France est tout sauf une équipe de contre. Hein. C'est pas parce que les mecs vont vite que c'est une équipe de contre. Hein. Donc, il y a des trucs, des fois, je trouve assez surprenant. C'est comme l'Argentine et tout ça. Mais bon, ça passe. Écoute. C'est assez surprenant. Je pense que vous l'analyserez beaucoup mieux que moi, le mondial. Romain, tu as parlé de l'Uruguay. Moi, j'ai regardé un peu l'ensemble de tes vidéos sur les pays d'Amérique du Sud. Et on sent quand même des équipes sud-américaines animées par une certaine passion, un amour et une application qu'ils mettent à tous les niveaux, que ce soit au niveau des supporters ou au niveau des joueurs sur le terrain. Est-ce que toi, tu vois, t'as déjà en partie répondu à la question, mais est-ce que tu vois l'une d'entre elles aller loin et laquelle et pourquoi? Écoute, déjà, la première chose, pour donner un exemple sur Di Maria, on parle d'attachement, de ce que représente de jouer pour la sélection. Je sais, parce que je connais quand même pas mal l'entourage d'Angel, etc. Le dernier match, il avait vraiment la tremblote. Et Di Maria, c'est un mec qui est ultra tranquille,
pour aborder les matchs. C'est un des mecs les plus relax, qui déconne toujours. C'est un peu comme l'avait dit. C'est un mec, la pression, bon, ça lui passe au-dessus, quoi. Sauf que quand il joue pour l'Argentine, c'est pas pareil. C'est simple. Di Maria, c'est un mec timide, même s'il fait des blagues, tu vois. Tu lui parles de l'Argentine, de jouer pour l'Argentine, mais je te jure, ses yeux, c'est incroyable. Tu vois, il a toujours le drapeau argentin sur lui, mais lui, c'est customisé le drapeau. Il a mis Rosario en même temps, qu'il vient de Rosario. Et ces mecs-là, ils ont un rapport avec leur terre qui est viscéral, qui est, je trouve, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, hein, mais c'est vraiment différent. Ils s'automettent une pression. Alors, les Brésiliens aussi, un petit peu. Et ça, il y a une grosse différence, je trouve, avec ce qu'on peut voir en France. Vraiment. L'Uruguay, c'est pareil, hein. Des mecs comme Cáceres, comme Cavani, c'est vraiment, je pense que l'expression on est prêt à mourir sur le terrain est vraiment, c'est vraiment le cas. Parce que ça les dépasse, en fait. Ils ont bien conscience que ça les dépasse, ce qu'ils font. Maintenant, c'est vrai que niveau jeu, quand même, t'avais beaucoup plus d'idées, je trouve, dans le jeu sud-américain. Alors, c'est une peine que Ramos est blessé. Mais je veux dire, le match qu'ils ont fait contre la Pologne, la Colombie, entre Quintero, Ramos, Falcao, même Arias, que je trouve un très bon latéral droit, Barrios au milieu. Enfin, tu voyais qu'il y avait un jeu qui n'était pas stéréotypé, permutation, une touche, etc. Je trouvais ça vachement intéressant. Ils sont quasiment tous passés, même le Pérou, hein. Moi, j'ai vraiment trouvé le Pérou intéressant, vu les moyens qu'ils avaient. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Après, honnêtement, l'Uruguay, comme je te le disais, je pense qu'ils vont être super chiants, parce que ils sont pas bons pour faire le jeu. Mais quand ils vont prendre un favori, ils vont pas le faire. Ça les arrange. Et attention. Vraiment, parce qu'en plus, Suarez, dans les matchs importants, tu sais qu'il est capable de te marquer un but à tout moment. Je trouve Eddy très propre dans le jeu. Au milieu, ils ont quand même Betancourt qui donne quand même plus de garanties que Vecino. Donc, moi, je te mettrais une petite piécette sur l'Uruguay parce que c'est vraiment le poil à gratter ultime. Je pense que si je serais sélectionneur d'une grosse équipe, j'aimerais tout sauf l'Uruguay. Oui. Moi, ma question, c'était sur le VAR. On pensait que ça allait régler les problèmes d'inégalité, d'arbitrage, les fautes d'arbitrage. Aujourd'hui, on voit que ça marche pas vraiment. Tu en penses quoi? Moi, je suis fondamentalement contre ce genre de truc parce que moi, je suis pour un football humain. Et on va me trouver tous les bons arguments, je les entends. Mais moi, si je regarde un match de foot, c'est pour vivre le truc. Moi, je suis genre basket semi-professionnel, je me compare pas, mais des fois, t'as des erreurs d'arbitrage, elles sont pour toi, contre toi. Je crois pas au complot comme ça. Autant il y a des matchs truqués, mais à ce niveau-là, faut pas déconner. Autant, au bout d'un moment, c'est un sport. Pourquoi on aime le foot? C'est aussi pour les émotions que ça te procure. Les émotions en différé, j'ai du mal. Et surtout, c'est toujours sujet à interprétation et aux angles de caméra. Et en même temps, le ralenti, il te diffère de l'impression réelle. Des fois, en ralenti, t'as l'impression qu'il y a un énorme choc. Alors, c'est peut-être pas forcément le cas à vitesse réelle et vice versa. Donc, pour moi, même le révélateur, il peut pas être exact. C'est pas possible. Donc, pour moi, c'est une incongruité terrible. Et penser que le VAR va régler les trucs, ça va rien régler du tout. Par contre, je sens qu'on va régler le truc maintenant. Les diffusions du VAR, tu vas voir qu'on va mettre des sponsors pubs dans le même temps. Tu vois que ça, par contre, ça va être la nouvelle invention. Donc, écoute. Après, c'est l'évolution, on va dire que c'est le progrès, mais quand je vois l'évolution du foot moderne, je suis pas persuadé qu'on va spécialement dans la bonne voie, tu vois. À la base, j'ai cru que le foot, c'était un truc humain, mais bon, peut-être que je peux me tromper. Donc, tu crois pas à l'évolution technologique, tout ça, non? C'est pas... Tu vois, la ligne de but, je trouve ça important, parce que ça, c'est l'essence fondamentale du jeu. Maintenant, regarde, tu prends l'exemple aujourd'hui, dans Sénégal-Colombie, quand le Sénégal réclame un péno, etc. Mais c'est interprétation, pour certains ça va dire penalty, pour d'autres non. Je veux dire, la vidéo va régler quoi dans ce cas-là? Quand tu sais pas, tu vois qu'il y a un petit contact, etc. Enfin, je sais pas si c'est votre avis, mais honnêtement, c'est sujet à interprétation. Il peut pas te dire à 100% il y a penalty ou il y a pas. L'arbitre a dit non, ok. Mais est-ce que tu peux être certain? Pour moi, c'est vu que c'est un sport qui n'est pas codifié comme admettons l'athlétisme avec un chrono. Je veux dire, c'est tout est sujet à interprétation. Le basket, c'est pareil. Hein. Donc c'est pour ça, moi, la vidéo. C'est pas ma culture et au bout d'un moment je trouve qu'on se fin. On en fait passer le VAR pour une priorité dans le même temps que le football est pris en otage par plein de gens n'ayant rien à voir avec ce sport, notamment des criminels, et on va me faire croire que le VAR c'est une priorité. Mais avant tout, essayer de rendre le foot, de décriminaliser le football avant que ce soit une priorité la technologie. On est si fort en technologie. Enfin bref, c'est un autre débat, ça a peut-être rien à voir. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis, décriminaliser le football, c'est... Je pense qu'il faut être très naïf aujourd'hui pour croire que le football, c'est un sport qui n'est pas soumis à un cartel. Il y a le cartel de drogue, trafic humain, d'armes et tout. Le football est partie intégrante de ça. Et c'est facilement démontrable. Quand t'as de la documentation,
spoiler, lisez mon prochain livre. Et plus sérieusement, je peux te citer des dizaines d'exemples. À 20 minutes de chez moi, 30 minutes de chez moi, il y a Marbella. C'était un club de Détroit espagnol, donc toujours, hein, qui était détenu par des Russes. Bon, les mecs ont fini en taule, là, il y en a qui sont sortis. Ils sont suspectés de blanchir de l'argent pour une partie de la mafia russe. Ils ont fait une perquisition chez un des mecs, j'ai les photos. Je crois qu'il y a 40 ou 50 fusils qui étaient accrochés au mur. Mais ça, des exemples comme ça, je peux t'en citer plein. Donc au bout d'un moment, essayons de regarder un petit peu les vrais soucis du foot. Est-ce que c'est la vidéo ou pas? Ou devrait-on plutôt mettre des efforts pour essayer de permettre au football d'être ce qu'il est, d'arrêter d'être pris en otage par des individus, notamment du monde criminel? On peut citer Monsieur Guehara, par exemple, aussi, qui comprendront la référence. Et tu prends même la direction du Barça. La direction du Barça te montre très clairement que c'est un club depuis 10 ans qui est géré par des malfrats. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Voilà, le nombre de mecs qui sont en taule quand même à propos du foot. C'est quand même bien plus préoccupant que de savoir s'il y a pénalty ou pas. Parce que là, on t'enlève le jeu quelque part. C'est-à-dire que le jeu, ce qui nous anime, on devrait parler de ça. Mais aujourd'hui, bon, personne ne le fait parce que bon, il y en a qui ont pas de couilles dans ce pays, ou ça les intéresse pas potentiellement. On apprend en otage un sport, on le viole littéralement de son essence. On le met en main de certains criminels, littéralement. Et personne ne lève le petit doigt. Bah, je trouve ça beaucoup plus répréhensible que de savoir s'il y a peine ou pas. Tu peux regarder les... C'est pour ceux qui s'intéressent, vous tapez sur Internet, comment il s'appelle cet agent français? Marc Fourmeau. Vous regardez dans le réseau de matchs truqués auquel il appartient. Et oui. Il est avec un Chinois, Eric Mao, l'homme sans visage, personne n'a de photo de lui. Et ces mecs-là sont responsables du, je crois, enfin, Fourmeau, ça n'a jamais été prouvé ce que je dis. Donc, mais bon, il peut m'attaquer. Il a été directeur sportif d'une équipe en Lituanie. Bizarrement, cette équipe, elle prend 134 buts sur la saison. Oh, c'est quand même étrange, hein. Après, il va en Irlande, pareil, match truqué et tout. Bon, bref. Et regardez bien. Et je te dis, ça est de partout. C'est omniprésent. Même moi, je connais des mecs qui s'en fait approcher, mais pour, enfin, voilà, avec pistolet et tout, pour truquer des matchs. Donc, au bout d'un moment, est-ce que c'est pas plus important que la vidéo? Et tu vois, maintenant, toutes les productions sont sur la vidéo, sur ci, sur là. Alors qu'en coulisses, il y a plein d'autres choses qui jouent. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe en coulisses que la vidéo. Pour finir sur la Coupe du Monde, ton favori aujourd'hui, c'est... Bah, j'aimerais bien que l'Uruguay gagne, parce que j'ai un livre de Cavani à vendre en Uruguay, bordel de merde. Et non, plus sérieusement, écoute, favori. Bah, l'Espagne, ils vont être chiants à prendre quand même. C'est con, ils sont capables de la gagner, hein, encore malgré tout ça. Allez, je vais quand même te dire l'Uruguay, parce que je connais pas mal de joueurs. Voilà, je vais dire l'Uruguay, le cœur. Mais sinon, je vais quand même te dire l'Espagne. Bon, après, écoute, hein, que le meilleur gagne, moi je... Après, un, je suis nul en pronostic, puis deux, tu vois, je vais regarder les matchs que j'ai envie de regarder, et tu vois, j'ai regardé un peu le Panama, parce que pareil, je connais un peu des mecs, mais en même temps, je m'en fous un peu, quoi. C'est triste, hein, je suis en ex-foot, entre guillemets, mais le résultat, c'est pas vraiment ça qui m'importe. J'aimerais que les gens arrêtent de se faire chier en regardant les matchs, ce serait pas mal aussi. Je vais faire la transition sur le PSG. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais poser une question totalement conne, totalement généraliste, c'est même pas une question, mais quoi de neuf au PSG aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Romain Molina. Dans l'épisode 549 de la saison 12 de Dallas Saint-Germain, tu me parles? Bah écoute, c'est le statu quo. Ça me fait rire. À chaque fois au printemps, ils te promettent des grands changements en interne. Ils font, ouais, on va changer, je bosserai plus avec cet enculé, etc. Puis tu vois, 2 mois après, tout le monde garde ses petits privilèges. Ça, c'est très intéressant d'essayer de comprendre le pourquoi du comment que des mecs complètement incompétents gardent leur poste et sont protégés. Parce qu'il y a une raison. Hein. Alors, à laquelle? Ça, c'est bon. Peut se poser pas mal d'interrogations. Écoute, il y a toujours pas de coach pour la CFA. T'as Enrique qui veut mettre un Portugais, t'as Tourelle qui veut s'en occuper, t'en as d'autres qui font. Bon, déjà, ça, c'est un dossier pour moi qui est très important. On a l'impression qu'on s'en fout. Ils sont toujours pas décidés pour les clubs partenaires. Bon, t'as un peu Orléans, mais c'est pas vraiment officiel non plus, mais voilà. Ils sont toujours pas décidés. Dans la formation, c'est en lambeaux, c'est n'importe quoi entre Roma Gossa et Luis Fernandez. On a toujours pas décidé. Bon. Je trouve ça assez curieux. Maintenant, là, t'as Antero Henrique qui a proposé, je crois, une 20aine de contrats pro à des mecs, déjà, qui ont 16 ans, pour un peu peut-être les bloquer et tout. Ok. On met la pression sur des jeunes pour signer avec tel ou tel agent. D'accord. Ok. Tout va bien. Non, mais c'est magnifique. Et il n'y a pas de politique sportive clairement définie. Donc, tout va bien. Tu navigues. Comme ça. Tu sais pas trop. Alors, je pense que Tourelle sait ce qu'il fait. Qu'il a un droit de veto. Ça, par contre, c'est très bien. Mais à côté, c'est pas comme ça qu'il y a un club. Enfin, je veux dire, c'est quoi la stratégie sportive du PSG aujourd'hui? C'est quoi? C'est proposer 20 contrats à des jeunes et de leur dire non, faut signer avec telle agence, sinon tu signes pas?
C'est ça là, un grand club? Posez la question. Mais il y a quand même des choses positives au niveau, par contre, business. PSG va encore faire d'autres sponsors, etc. Ils sont en train de terminer d'autres accords. L'internationalisation de la marque se poursuit. Et ça, à ce niveau-là, faut féliciter Nasser El Khelaifi, Jean-Claude Blanc et toutes ses équipes qui font un travail absolument colossal. Et ce que fait le QSI depuis que sont arrivés au Paris Saint-Germain sur la marque du PSG pour multiplier les revenus, les diversifier, etc., indépendamment du Qatar, c'est un travail exceptionnel. Donc là-dessus, grande félicitation. Pour le reste, bon, je peux émettre quelques réserves. Romain, on a eu récemment le verdict du fair play financier. Ouais. Le PSG a été relaxé. Pour toi, c'est grâce à quoi? C'est grâce au montage d'avis? C'est grâce à la puissance du Qatar dans le foot, la puissance globale? Parce qu'ils sont dans les règles. Parce qu'ils sont dans les règles, tout simplement. C'est-à-dire, s'ils n'étaient pas dans les règles, ils auraient pris cher. Hein. Mais ils le sont. Déjà, les comptes, ils se clôturent au 30 juin. Donc, on peut pas avant savoir faire des... On pensait et tout. Maintenant, Paris, faut quand même essayer de comprendre tout ce qu'ils ont en termes de sponsoring, en termes de contrat partenariat, la billetterie, les loges, les droits théoriques des champions, ils ne sont pas allés très très loin. Plus quand même quelques ventes de joueurs. T'as vendu Aurier, t'as vendu Lucas, là t'as vendu Edouard, t'as vendu Augustin l'année dernière, enfin Pastorella. Donc je veux dire, t'as quand même des ventes, même si t'attends d'autres ventes, notamment Krejčovic. Bon, Ressé, je le mets pas dans les ventes parce que à moins qu'une émission de télé-réalité accepte de le prendre, je vois pas qui va le prendre. Donc t'as quand même un business qui est florissant. Après, les mecs voulaient peut-être faire, voilà, sous pression, parce que t'as quand même un lobby puissant à l'UFO de certains clubs, évidemment. Mais Manchester City aurait pu prendre la même chose d'ailleurs, hein. Souvent Manchester City et pas le PSG sont un peu montrés le doigt par certains. Maintenant, le PSG, tu vas pas leur apprendre à faire du bon business, hein. Donc après, comme je le dis souvent, le transfert de Neymar, c'est pas 220 millions dans les comptes pour cette année-là, c'est divisé par le nombre d'années de contrat. Donc la vraie question, c'était la décote du contrat de QTA et Mbappé, est-ce que c'est comptabilisé dès cette année ou l'année d'après? Le reste... Bon, par contre, faut l'amortir, c'est-à-dire que chaque année, ça te fait 45 millions, je crois, Neymar, dans tes comptes pendant 5 ans. Bon. Mais ça, j'imagine qu'ils ont déjà prévu des plans pour le faire. Sachant que Neymar, pour ta marque, c'est exceptionnel. On peut lui trouver tous les défauts du monde, mais par contre, en termes de négociation de sponsoring, quand t'as Neymar, t'es beaucoup plus fort que si tu ne l'as pas. Donc non, pareil qu'il... Les gens, en fait, on a raconté tellement tout et n'importe quoi autour du fair play financier qu'ils ne savent pas qui croire. Et ils disent, non, mais c'est scandaleux, le Paris Saint-Germain, etc. et tout. Mais le Paris Saint-Germain, c'est la seule marque française à l'international qui a vraiment de l'impact pour négocier. Donc, faut pas s'étonner. C'est-à-dire, c'est multiplication des revenus, diversification des revenus. T'as Lyon qui le fait, mais c'est un étage moindre. Paris, ils le font. Tu vois, Marseille, je suis beaucoup plus inquiet pour eux niveau fair play financier. L'année dernière, c'était à 40 millions de déficit sur une seule année. Moins la formation et les féminines qui sont pas comptées en bilan du fair play financier, ok. Mais t'as quand même, je rappelle, c'est 5 millions autorisés de déficit sur les 3 dernières années comptables. Et tu peux monter à 30 si l'actionnaire compte ton déficit. Ce que McCourt d'ailleurs pourrait faire, parce que McCourt a injecté des capitaux propres en Marseille, c'était pas des prêts. Mais je veux dire, si déjà en une année t'as 30 millions à peu près de déficit, tu peux t'inquiéter, quoi. Mais voilà, donc pas surpris du verdict. Le club sait ce qu'il fait et n'est pas inquiet là-dessus. La situation, on peut leur donner un 5 étoiles, il le mérite. Ça fait quand même beaucoup réagir. Après, on sait qu'aujourd'hui, il y a le club de Seringue en Belgique, Seringue, qui a déposé un recours par rapport à la TPO et le fair play financier, du coup. On devrait avoir un verdict d'ici la fin juin. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un verdict ou on va de nouveau avoir un report? Donc la TPO, pour rappeler aux gens, c'est la tierce propriété, c'est-à-dire à l'époque, il y avait des bouts de joueurs qui pouvaient être détenus par un tiers, donc une société ou des agents. Mais le problème, c'est que souvent, les sociétés étaient elles-mêmes cachées dans des paradis fiscaux et que les véritables propriétaires, tu savais pas. Donc, ça posait évidemment des conflits d'intérêts, d'éthique et tout ça, même si tu as d'ardents défenseurs de la TPO, notamment le groupe Doyen Sport, qui gère d'ailleurs une partie des droits d'image de Neymar, et des très grands agents, notamment en Amérique du Sud, parce que tout le football sud-américain et portugais s'est construit à base de TPO, notamment Théo Henrique, quand il compose l'équipe de Porto, et même l'équipe de Porto qui gagne la Ligue des Champions en 2004, c'est une équipe faite en grande partie avec du TPO, où d'ailleurs on retrouve l'inénarrable Pini Zahavi. Donc là, oui, ça porte plainte et tout. Maintenant, si ça fait un précédent et que ça remet la TPO, bon, c'est encore autre chose, ça n'a rien à voir avec le fair play financier, mais on est dans une dérégulation qui peut être totale. Là, ils ont accepté aussi que des joueurs peuvent obtenir des pourcentages sur les transferts. Mais qui te dit que ces deals-là, ils vont pas trouver le moyen de le cacher et que tu vas avoir pareil des types qui ne sortent d'on sait où, qui vont obtenir des pourcentages en négociant, en menaçant les mecs. Enfin, c'est la porte ouverte à toutes les dérives.
Mais bon, ça a pas l'air de les gêner, quoi. Ça les gêne pas. Romain, j'aimerais revenir sur le PSG, sa direction, et on parle beaucoup d'Antero Henrique. On a eu un journaliste portugais hier. On a fait une très belle interview d'ailleurs. Et je lui ai demandé de me présenter Antero Henrique. Il me l'a présenté sous la forme que tout le monde connaît. D'accord? C'est quelqu'un qui recrute des jeunes, etc. Est-ce que tu peux, toi, nous C'est parler... faux. D'accord. Bah déjà c'est faux. Est-ce que tu peux nous présenter Antero Henrique comme tu le connais, toi? Alors, Vas-y. déjà tous les deals qu'il a fait à Porto, il l'a fait avec un ancien, mais j'ai paumé son nom, un mec qui a une mémoire incroyable, il est capable de citer les feuilles de match d'il y a 30 ans. Le vrai mec, le recruteur à Porto, c'était ce gars-là, faudrait que je retrouve son nom. Après, il y a Afonso, le mec qui l'a amené, Henrique. Maintenant, Tero, c'est un businessman aujourd'hui. C'est un mec qui est quand même parti de rien à Porto, il a terminé numéro 2 du club. Je te laisse imaginer ce que ça nécessite. C'est un mec brillant sur les négociations, très dur, très borderline. Il enfreint jamais la loi, il se contente de la contourner. Ça va, ça va. Ou de jouer avec. Donc il a jamais été condamné. Tant mieux pour lui. Mais ça a toujours été ric-rac. Il s'en cache d'ailleurs pas et au club, je pense qu'ils sont pas étonnés. Il travaille avec un réseau très restreint, même si c'est jamais, il peut faire des deals avec tout le monde. Mais il va toujours mettre dans la boucle ces mecs. Donc il y a Mohamed Afzal, son ancien beau-frère, Pini Zahavi, Kia Jorapchian, Marcelo Simonian, l'agent de Pastore. C'est vraiment les prioritaires. Et maintenant, tu as un agent français qui rentre dans le lot, enfin un agent français mais qui n'a pas la licence, qui s'appelle Moussa Sissoko, qui a Kurzawa, Lassana Diarra, qui essaie de faire venir N'Golo Kanté alors que c'est pas son joueur, qui a Yacine Adli et tout. Antero, il est comme ça. C'est le système Modji, c'est-à-dire je reste avec mes mecs jusqu'au bout. Donc, ensuite, il a amené plein de mecs au PSG. Un mec comme Texera à la communication, il y a un mec en juridique, etc. Enfin, une femme, pardon. Il a fait pareil à Porto. C'est après, c'est un jeu d'alliance, c'est un peu comme Risk ou Napoléon, tu vois, c'est genre je pose mes pions et tout. Maintenant, lui, c'est un mec qui a de l'autorité, qui a des relations, bon, qui sont ce qu'elles sont, qui connaît le foot, mais sans plus. Ça n'en est pas caché d'ailleurs. Lui, c'est un négociateur. C'est un facilitateur d'affaires. Très bon dans son domaine. Clairement. Mais il a des. C'est un mec qui se plaît beaucoup dans le conflit. Notamment bah, cette année avec Jean-Martial Ri, même si ça s'est apaisé. Il est très fort dans son domaine, mais faudra pas s'étonner au bout d'un moment si on enquête sur des transferts au Paris Saint-Germain. Mais bon. Et le transfert Gustavo Ebling nous rappelle que ça existait déjà avant Antero Henrique. Mais c'est quoi son histoire, Gustavo Ebling? On n'a jamais su, hein. Il a jamais mis les pieds au Parc des Princes ni au Camp des Loges, c'est... Écoute, moi, j'ai contacté le club à plusieurs reprises, mutisme intégral. J'ai contacté tous les gens que je connais, ils me l'ont jamais vu. Ils signent de São Paulo, si je te dis pas de conneries, après avoir fait quelques sélections moins de 20 ans, où on m'a bien confirmé qu'on l'a mis là pour le vendre après, l'épaule Nio. C'est Raiola qui l'amène, visiblement, avec l'étang qui fait le deal. Et il est prêté 2 ans au PEC Zwolle aux Pays-Bas. Le PEC Zwolle, c'est un peu l'FC Raiola. C'est ce qu'il veut là-bas. Il a joué une poignée de matchs en 2 ans. Il a été vendu le 31 août par le Paris Saint-Germain à Portimonense, qui est un club géré par l'ancien agent de Hulk, qui avait fait le deal le plus cher du monde à l'époque avec un certain Antero Henrique et un certain Juan Figuer, qui est le premier des agents, l'Uruguayen, le doyen de tous, qui gère une partie du club de Portimonense. C'est illégal, mais bon, il a quand même, il est dedans. Et Ebling, qui a pas joué une minute cette année avec Portimonense, a balancé en interview que le PSG continue à le payer. Question. Pourquoi au club, quand tu parles de Gustavo Ebling, c'est le tabou général, personne ne veut répondre. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est, et je le pense, et je le pensais déjà, c'est dans les deals où on ne regarde pas, où il faut toujours justement vérifier à double tour. Et là, tu peux vraiment te poser des questions. C'est un peu de ghost player, c'est le mec qui... Il a jamais, quasiment jamais existé au Paris Saint-Germain. Ça me fait penser à un mec, à Valence, que Juan Figuer a fait signer dans les années 90, fin des années 90, c'est un Uruguayen. En fait, Figuer avait 1 million d'euros de com pour un truc, et il a dit, je prends pas la com, par contre, vous me signez un gars. Le mec a signé, il a jamais mis les pieds à Valence, et je crois qu'il est carreleur maintenant, dans la région de Valence, et il joue en 4e division espagnole. Donc le mec, littéralement, ils ont signé pour 1 million d'euros un fantôme. Et le cas Ebling, ça me fait un peu penser à ça. Romain, j'enchaîne avec Pini Zahavi. Tu le connais bien, tu as fait plusieurs vidéos dessus. Il a créé un véritable empire et aujourd'hui, il a carrément pénétré le réseau au PSG. Est-ce que pour toi, on peut dire aujourd'hui clairement que c'est le numéro 2 au PSG derrière l'émir? Bon, t'as Nasser quand même avant, mais il est. Je pense que si Pini Zahavi... Regarde, on va faire simple. Parce qu'on parle beaucoup des agents. Maintenant, faut comprendre que les agents,
ils sont nécessaires à 99% des joueurs, notamment de l'élite, qui n'ont pas les compétences juridiques, financières, diplomatiques pour gérer des contrats. Et en plus, c'est pas toi qui tu vas pas appeler un club pour te vendre. Déjà, en position de négociation, ça te mettra beaucoup moins à l'aise. Et surtout, au début, les discussions se font par ce qu'on appelle des intermédiaires. Ça se fait dans le football, dans tous les milieux, au niveau industriel, commercial, etc. Donc ça, je pense que ça surprendra personne, même au niveau politique. Donc là, les agents, faut arrêter de dire c'est tous des salopes, etc. T'en as plein de très très bien, et justement, c'est aussi utile pour quelque chose. Maintenant, un mec comme Pini Zahavi, je pense, c'est le numéro un, c'est un des très peu, c'est un des super agents, comme on dit, qui est un concept développé par le sociologue italien Pippo Russo, qui est un mec qui a écrit pas mal de bouquins sur la face cachée du foot. Zahavi, c'est le numéro un depuis 30 ans. Il s'est toujours maintenu à un niveau, et toujours dans la discrétion et tout. Maintenant, t'as tous les mecs qui font croire qu'ils sont experts de ce mec-là, parce que j'ai fait des vidéos dessus. En France, avant, personne n'en parlait, hein, quand j'en parle. Là, je vais quand même m'attribuer la paternité du truc, parce que je pense que c'est une réalité, hein. Maintenant, t'as l'impression que tous les mecs sont experts en Pini Zahavi, en deal et tout ça. Maintenant, moi, ce que je vais te dire, c'est tout ce qu'on croit connaître à partir, à propos de Pini Zahavi, c'est qu'on connaît rien. Je vais pas te dire que toute sa vie est un mensonge, mais je me suis aperçu que la plupart des super agents, c'est le cas. T'as plusieurs dates de naissance, t'as plusieurs passeports, t'as plusieurs identités. Tu sais pas les business. Zahavi, il est intouchable. C'est un mec qui a une intelligence exceptionnelle, qui est polyglotte, qui parle 5 langues, qui est un génie pour le contact humain. Mais ce qu'on sait de lui, c'est qu'on sait rien. Il a des clients aussi variés que possible. Il représente une foule d'oligarques, des mecs jusqu'à Victor Welsberg, pour ceux qui connaissent, je crois qu'il pèse 16 milliards, le mec. Il a plus qu'un empire. Zahavi, c'est pas un agent traditionnel, c'est le seul agent de foot politisé à ce point-là. Maintenant, c'est l'agent de Neymar, et comme Jorge Mendes pour Ronaldo au Real, il a forcément, de fait, plus de pouvoir que les autres parce qu'il a la star de l'équipe. Donc, surtout qu'en plus, tu sais pas si tu vas la garder, tu es en négociation et tout, il a un pouvoir de fou. Mais déjà, de fait. Maintenant, le mec, il a fait le job. Aurier et Lucas, c'est lui qui facilite les ventes à Tottenham. Et surtout, Antero Henrique, s'il est encore là, c'est aussi grâce à lui. Parce que justement, c'est un mec qui apaise et tout, c'est un vrai diplomate. Je sais qu'il est très apprécié par Nasser, de par son intelligence, son humour, et surtout que c'est un mec efficace. C'est un mec efficace. Donc, aujourd'hui, Zahavi, il a Neymar, et surtout, c'est un facilitateur. Et c'est un mec qui est dans la trempe des très très grands. Donc, quand t'as Nasser, qui a une formation diplomatique énorme, qui a l'habitude de fréquenter ces genres de personnes-là, tu te rends compte et tu ne peux qu'apprécier le mec, quoi. Après, ça n'empêche pas le business et les trucs que Pini Zahavi a fait, ou qui continue de faire, son empire dans les Balkans, etc., où il y aurait beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est comme à Chelsea. Même si à Chelsea, sa relation avec Abramovich, bon, c'est peut-être la plus fructueuse en termes de business foot, en termes d'association depuis 15 ans. Mais elle a eu des hauts débats aussi. Là, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, si Pini Zahavi veut un truc, ça va se faire. Tu verras que je sens arriver, ils vont faire un Brésilien cet été. Un mec, on va dire, bon, il va peut-être prêter et tout. Tu vas voir que ça va être le fameux Humberto Paiva, qui était l'ancien directeur sportif de Moucron, qui est un mec de Pini, qui avant travaillait un peu avec Neymar, qui va faire le deal, tu vois. Parce qu'il y a le mec qui place des gens comme ça. Et c'est son réseau. C'est lui réagit. C'est vraiment l'idée de Napoléon, tu vois. J'ai lui là, j'ai telle influence ici, pour des intérêts qui, évidemment, sont foot et qui souvent dépassent le foot. Si je peux le présenter aussi. Romain, alors, j'aimerais que tu me répondes en toute franchise. Je sais que t'es le mec le plus sincère et que tu réponds directement. Alors, alors, ça, j'en doute pas. Le 21 mars dernier, on sortait pour la première fois parce que nous, on n'est pas là pour... on n'est pas Paris United. Et d'ailleurs, on adore ce que fait Paris United. Et chacun a son rôle. D'accord, donc on est d'accord sur ça. Et on a sorti une info, comme quoi Nasser Al Khelaifi allait être changé, d'accord, allait être remplacé. Ouais. Par qui? Nous on a dit que c'est le frère de l'émir. Après ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais déjà, est-ce qu'aujourd'hui, toi, de ce que tu sais, je sais que tu es très bien informé. Est-ce que connaissant ta notoriété, voilà. Est-ce que tu peux confirmer, tu peux dire que c'est fou, enfin je veux que tu sois totalement sincère. Alors, premièrement, vas-y. La notoriété ne fait rien. Sinon, si vraiment la notoriété est gage de qualité, putain, un gâteau pro, elle devrait être complètement inconnue. et d'autres. L'info pour moi que vous avez sortie, elle était ô combien bonne. Nasser était très très contesté. Il est toujours par une partie de l'intérieur du club, que ce soit des salariés et également des gens très très hauts. Maintenant, Nasser Al Khelaifi a un rôle qui dépasse évidemment le président du Paris Saint-Germain. C'est un homme ultra important dans la diplomatie qatari. C'est quand même une des figures du Qatar dans l'Occident. C'est quelqu'un qui a un background diplomatique exceptionnel, en négociation aussi.
C'est un mec ultra intelligent, cultivé. Je pense qu'on va, on a aucune leçon à Nasser en termes de gérer un business. Peut-être en lui disant que c'est pas une bonne idée de promettre le brassard capitaine à 5 joueurs. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, Nasser, s'il doit partir du Paris Saint-Germain, il peut pas être recasé ailleurs, il peut pas être viré. Donc, il doit aller quelque part où ça fait pas genre une rétrogradation. Moi, ce que je sais, c'est que Nasser terminera dans l'organisation de la Coupe du Monde 2022 et dans les principaux mecs. Maintenant, je ne sais pas pour le frère Altani, etc. Ça, je sais pas, c'est pas mon domaine. Mais au club, ça change tellement. Tu vois, tout le monde disait Ribéry et Enrique, il y en a un qui va partir. Finalement, les deux, ils restent. Chaque année, c'est quasiment la même chose, t'as l'impression. C'est un club qui est en ébullition en interne parce qu'il y a énormément de tensions, de crispations. Et je pense que on me le fait remarquer justement des gens que je connais. C'est propre à beaucoup de grosses boîtes aussi. Mais là, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va vraiment péter, quoi. Ça pète des fois en interne. T'as des mecs qui font des burn-out et tout. T'en as même un qui a essayé de se suicider, je crois, il y a quelques temps. Mais il était plus au club. L'employé a essayé de se suicider. Mais je crois qu'il était parti du PSG. Il était dans quel rang? Il était assez haut ou c'était un employé? Non, mais ça veut, enfin, c'est propre à beaucoup de grosses boîtes. Mais c'est pour dire qu'à tous les niveaux du club, t'as des tensions. Mais après, je pense, pour connaître quand même pas mal d'autres clubs, c'est quand même un peu comme ça de partout, mais c'est particulièrement PSG. Maintenant, Nasser, comme je te dis, c'est un mec ultra important pour le Qatar. Pour moi, l'info que t'as mis, elle était bonne. À cette époque. Maintenant, il y a des choses qui changent et je pense que la plupart des infos qu'on peut avoir, on a que 1 ou 2%. 10%. Et tout change. C'est un monde qui est en perpétuelle évolution. Et surtout que Nasser est ultra malin. Et par contre, faut pas lui enlever un truc, c'est que Nasser, bon, je pense que c'est peut-être d'ailleurs son défaut. Il est président du PSG et il est en même temps supporter du PSG. Et je pense que partir de la présidence du PSG, ça lui ferait très mal. Très, très mal. C'est pas uniquement un business. Je pense qu'il y a du cœur. Donc, à l'instant T, notre info n'est plus valable. Il est plus sur le départ. C'est ce que tu veux dire? Je sais pas si l'info est plus valable aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que Nasser, tôt ou tard, il sera plus président, ça c'est certain. Mais que, écoute, pour le moment, c'est le statu quo. Moi, j'étais persuadé qu'entre Enrique et Eribe, il y en a un qui allait sauter. Entre Roma Gossel et Luis Fernandez, information. Pour le moment, il y a quoi? C'est statu quo. Là, c'est assez. Et chaque année, c'est quasiment la même. Hein. Les temps, il a été contesté des années, bah, ça met du temps avant qu'il parte. Voilà. Donc, il y a beaucoup à dire. Je serais pas étonné quand même de voir des changements dans l'organigramme du Paris Saint-Germain. L'année prochaine, il y en aura, c'est certain. Ça, c'est certain. Non, on peut espérer qu'il y en ait d'autres. Mais je pense que votre info, elle était bonne, sinon vous l'aurez pas mis, tout simplement. Généralement, l'atmosphère actuellement au sein de la direction parisienne, elle est comment entre, bon, bien sûr, on entend plein d'histoires, enfin voilà, entre Jean-Martial Ribes, Antero Henrique, ça se passe comment aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment une... Ça s'est apaisé quand même, globalement, entre tous. Maintenant, il y en a pas mal qui sont en vacances, t'en as qui étaient au Qatar, etc. Donc là, t'as Henrique qui travaille à fond sur le mercato avec Luis Ferrer, qui est un de ses bras droits, on va dire. Maintenant, moi, je m'inquiète juste de voir que le coach de la CFA, ça n'a pas été réglé, qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas été réglés à petit niveau, on va dire, des détails, et qu'on n'a pas vraiment dressé une politique sportive claire, même si Tuchel, visiblement, a un droit de veto, et ça, c'est une bonne chose. Et le choix de Tuchel, on a vu aussi certains médias qui disaient c'est l'émir, d'autres disaient c'est le frère de l'émir, Johan. C'est qui a choisi Tuchel? Ah, c'est Doha, ça, c'est certain. Et déjà, ça veut dire beaucoup, parce que c'est la première fois que c'est Doha qui choisit. Avant, c'était Nasser. Ou Leonardo. Là, c'est l'émir. Ou ses proches, mais c'est Doha. Donc déjà, rien que ce que tu vois, mets ça en parallèle avec l'info que t'as à l'époque. On remonte quelques mois en avant. C'est un désaveu terrible pour Nasser. Et pour Antero Henrique, surtout. C'est un désaveu terrible. C'est la première fois que ça arrive. Ils ont recentralisé pas mal d'affaires là-bas. Ça veut quand même dire beaucoup. Je laisse chacun tirer les conclusions qu'il veut, mais c'est pas innocent. C'est loin. Et pareil, ça peut que renforcer l'entraîneur, par contre. C'est une très bonne nouvelle pour le club. C'est une très bonne nouvelle. Parce que là, t'es nommé directement par les mecs qui ont l'argent. C'est pas pareil. C'est-à-dire que maintenant, ouais, le joueur, il est entre guillemets, s'il l'appelle, est-ce qu'on va accéder à ses caprices? Tandis que l'entraîneur a été nommé directement tout en haut. Tu vois, le rapport de force n'est pas le même. Donc aujourd'hui, il a les pleins pouvoirs, Tuchel, comme annoncé. Alors après, on va voir comment ça va se passer ces prochains mois. Tu vois, déjà, s'il a les pleins pouvoirs, c'est lui qui devrait décider du coach de la CFA. Mais t'as Antero qui veut mettre un Portugais. Ça, c'est... Chacun essaie d'avoir son influence, son le panthers. Bon, on le voit un peu de partout, mais
le bien général du Paris Saint-Germain, c'est sûr, pour certains employés, tu l'oublies. C'est d'abord mon bien personnel, le bien, bien collectif. Mais ils ont quand même tout pour bien faire. Et moi, je pense que la décision de Doha de mettre Tourelle, etc., c'est un signe très, très fort. C'est la première fois qu'ils le font. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, pourquoi ils l'ont fait. Mmh. Donc, pour résumer, l'info publiée le 21 mars 2018 était valable à ce moment-là. Après, on ne sait pas aujourd'hui. Bah, moi, en tout cas, sur la partie de la serre, je sais qu'il avait chaud au cul. Clairement. D'accord. Après, sur les Altani, tout ça, moi, je suis pas, donc je vous laisse le truc. Ça, je pourrais pas ni confirmer ni affirmer, mais je pense que si vous avez mis ça, c'est que vous aviez de bonnes raisons. Lloyd. Moi, je voulais revenir sur la partie Neymar. On sait que Neymar aussi, il est en train d'essayer d'installer son réseau. On le voit avec un préparateur physique brésilien qui pourrait arriver. On parle aussi d'un médecin qui pourrait changer. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'en pense que t'as pas le choix. Tu sais que Neymar a besoin de... C'est un ultra émotif, déjà. C'est un mec qui a besoin d'être touché, tu vois, au niveau des câlins, des abraços, etc. C'est un mec démonstratif. C'est un mec qui a besoin d'amour. Vraiment. Il y a un mec aussi au PSG qui est comme ça, c'est un peu Verratti. Qui est très sur, tu vois, entendre des jolis mots, des si, des là. C'est peut-être pour ça qu'ils s'entendent aussi bien sur le terrain, d'ailleurs. Cette hyper émotivité qu'ils ont en jouant. Mais bref. Maintenant, Neymar a grogné toute l'année dernière sur le manque de professionnalisme du club, que ce soit le médical, que ce soit les mecs qui se battaient pas aux entraînements, comme une fois il y a avec Kurzawa, bon, il l'a dit en portugais et on l'a fait la traduction. Mais ça te gêne pas, toi, de perdre. Toi, c'est normal, toi. Match d'entraînement, tu perds, c'est normal. Donc, il a gueulé sur beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on écoutait Neymar sur tout sauf sur le sportif. On l'a écouté sur, enfin, l'a même pas écouté. En gros, on a essayé de lui faire le cajoler. Plus d'images, plus d'égo. Mais le mec, avant tout, c'est un genre de foot. Et Neymar, il a peut-être tous les défauts du monde, mais il faut pas oublier un truc, c'est que son plaisir numéro un, c'est de jouer au foot. Et pour jouer au foot, c'est quand même un mec à gagner, qui sait à peu près comment gagner. S'il trouve que le club manque de professionnalisme, comme plein l'ont trouvé, parce que justement, les joueurs, c'est des cas précieux, ils veulent pas trop se battre, etc., qu'ils veulent pas trop bosser, que le médical ça va pas, que les intendants c'est devenu n'importe quoi, ben, faudra peut-être l'écouter, quoi. Écoute, c'est là. Tu as misé sur lui. Donc maintenant, faut que ton mec, il soit bien pour donner le mieux. Parce que cette année, il l'a pas fait en Ligue des Champions, très clairement. Ligue des Champions, il a quand même été globalement très décevant. Donc après, il y en a peut-être qui vont me dire que, mais excuse-moi, moi, je me rappelle la double confrontation contre le Bayern. En retour, il est scandaleux. Bon. En retour, il est scandaleux. Bah, c'est pas le seul, hein. Il est scandaleux. Mais t'attends qu'il fasse la diff dans ces matchs-là. Donc, mets-le dans les meilleures conditions. Ça me paraît totalement normal. Et lui, avec le mental de champion qu'il a, c'est un mec qui veut toujours gagner. Je m'inquiète pas tellement, tu vois. Mais je pense que c'est une bonne chose, ça, par contre. Tant que c'est pas, on lui dit, parce que lui, il voulait que Lucas joue, etc. Mais ça m'en dit que Neymar, il faisait pas l'équipe. Vraiment, Lucas, il aurait joué. Donc, il faut rester ferme là-dessus. Tout en sachant que, voilà, il fera pas toutes ces années de contrôle Paris Saint-Germain. Mais pendant qu'il est là, mettez le meilleur cadre de travail pour ton meilleur joueur supposé. Soit dans les meilleures conditions et tire l'équipe vers le haut, parce que ça reste quand même un leader, notamment technique. Est-ce que c'est pas l'année pour le PSG de se séparer de Cavani? Alors, ça me fait mal au cœur de te poser cette question, mais c'est aussi, alors, d'un point de vue économique, c'est aussi la dernière année où tu peux le vendre à peut-être un prix élevé. Sur l'aspect sportif, c'est peut-être l'opportunité de mettre un mec plus technique aux côtés de Neymar, un Dybala, par exemple. Est-ce que, sportivement et objectivement, c'est pas l'année où il faut se séparer de Cavani et de l'autre côté, c'est pas aussi l'année pour Cavani de partir et de découvrir un dernier projet? Écoute, Cavani déjà il terminera sa carrière en Uruguay et son dernier projet ce sera celui-là. Maintenant on va avoir une autre question, elle est économique, parce que tu veux remodeler ton milieu de terrain. Je pense que t'as plus la priorité avant tout de remodeler ton milieu de terrain que l'attaque. Donc à partir de là, ça va te coûter de l'argent. Tu dois amortir les transferts d'Mbappé et Neymar. Et surtout, Cavani, tu vas le vendre, mais si tu le remplaces, ça va te coûter plus cher le remplacement. Donc, c'est une vraie question. Beaucoup se posent. Moi, je vais te dire une confidence. Il y a des gens qui veulent faire les malins parce qu'ils se croient infiltrés. Edinson Cavani ne veut pas partir du Paris Saint-Germain. Sauf si on lui amène un attaquant de 100 millions pour qu'il soit sur le banc. Voilà. Mais par contre, il est vrai que sur la fin de saison, ça a été tendu entre lui et les Brésiliens. Notamment pour la dernière interview qu'il a donnée à Dugarry. Et même au club, c'est très mal passé, etc. Mais bon, tu me diras, il y en a beaucoup de joueurs qui, les Brésiliens, au bout d'un moment, c'est du Brésilien à déjeuner, ils en peuvent plus. Parce que, entre guillemets, ils sont, c'est, enfin, après, on peut comprendre, mais, tu vois, par exemple, pour tous les rendez-vous, bah, c'est eux qui passent avant. C'est un petit truc, hein. Mais il y en a, ils en peuvent plus. Donc, si tu perds Cavani, tu perds, c'est pas un opposant brésilien, loin de là.
Au contraire, elle s'entend même plutôt bien avec Neymar, tu vois, par exemple. Mais c'est bien d'avoir des mecs qui sont capables de dire à un petit groupe, pas qu'ils cherchent la merde d'autre, tu vois, mais stop, tu vois, de faire un peu contrepoids dans un vestiaire. T'as besoin d'un contrepoids à un moment donné. Et le problème, c'est que si tous ces mecs-là, ils partent, un mec comme Pastore qui est parti, ça fait mal au vestiaire. Hein. Si, entre Eddy et Angel, ce serait pas super bon de les faire partir. Mon avis. Hein. Maintenant, Cavani, il a quand même des demandes, ça je te confirme. Mais quel club est capable de le payer aussi, aujourd'hui, niveau transfert? Faut attendre que ça bouge. Et la vraie question, c'est Lewandowski. Où Lewandowski va bouger? Et c'est ça qui, je pense, est le marché attaquant. Maintenant, le PSG vont prendre qui à la place? Dybala? Moi, je te dis, il y en a un qui, j'en parlais avec son père, Perth Falcao. Si tu veux un mec qui, c'est marrant, mais je suis sûr que Cavani serait plus efficace à Monaco que ce que Falcao l'est. Je pense que Falcao, dans la configuration du PSG, serait meilleur que Cavani dans cette configuration. Ça va pas se faire, tu vois, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, pareil, il fera jamais Falcao, mais moi, j'aurais peut-être vu ce profil-là, tu vois. Peut-être, si tu fais partir Cavani, tu prends un mec peut-être pour 1 ou 2 ans, peut-être un mec, voilà, comme tu dis, d'un autre profil, qui aime bien les petits espaces et tout, en remise et tout. Et avant, après, de refaire un très grand attaquant d'ici 1 ou 2 ans. Après, c'est un avis, mais je pense que Cavani va rester aujourd'hui parce que ils veulent remodeler le milieu de terrain. Et sur un strict point de vue économique, ça me semble compliqué de faire les deux à la fois. Ou alors, faudra vendre beaucoup. Et aussi, on a vu là, le départ de Mota cet été à la retraite. On le voit intégrer le staff du PSG. On avait vu Maxwell l'an dernier arriver aussi dans le staff. Est-ce que ça va devenir une mode, enfin, pour le PSG d'intégrer les anciens joueurs? Bah, il y a Camara surtout, mais Camara qui a refusé d'être entraîneur de la CFA d'ailleurs. Il restera dans le staff de Tourelle. Bon, la vraie question, c'est de savoir ce que Maxwell fait au club. Je sais que l'année dernière, il s'occupait plus ou moins des prêtés ici et là. Mais il fait quoi? Par ça. Est-ce qu'il a un vrai pouvoir, Maxwell, au club? Alors après, je pense qu'il est en formation, c'est normal. Parce que c'est pas le même truc. Lui, c'est pour être plus ou moins directeur sportif à terme, donc c'est différent. Maintenant, Botta, il prend les U17, c'est ça? Les U19? J'ai un doute. Les U19. Non, les U19, je crois. Ouais, les U19. Écoute, Mota, c'est ce qu'il voulait faire, être entraîneur. Bah, je peux te dire que les jeunes, ça va filer droit. Par contre, putain, ça va bosser. Hein. Ça va être marrant, ça. Non, je pense que c'est une bonne chose. Mota, il a tout pour être un excellent entraîneur, vu sa science du foot. Ça. Maintenant, après, ça va dépendre de son psychologie de groupe, tout ça. Mais je m'inquiète pas pour lui. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Par exemple, tu vois, si Nicolas Duchesne revient pour entraîner les garçons, les moins de 19, tu vois, là, par contre, je comprendrais pas, parce que c'est pas parce qu'il est ancien du club. Bah, je veux dire, si tu veux donner le bon exemple à un groupe, tu demandes pas à Nicolas Duchesne de le faire, quoi. Bah, remarque, Nicolas Duchesne peut leur montrer comment allumer une chicha. Ça, par contre, il est très bon pour ça. Je suis pas persuadé que pour le reste, ça soit le mec le plus avisé, tu vois. C'est encore autre chose. Mais oui, c'est une bonne chose, je pense. Si tu veux créer quelque chose, t'as besoin de construire un état d'esprit, une culture commune. Donc, moi, je le vois d'un très bon œil, en effet. Romain, juste un dernier aspect niveau mercato, le PSG a changé d'entraîneur, donc Unai Emery est parti à Arsenal. Est-ce que pour toi c'est un club qui lui convient davantage, avec moins de pression, peut-être avec moins de problèmes internes aussi? Bah écoute, je pense que succéder à Arsène Wenger, ça va être quelque chose quand même, hein, pour n'importe qui. C'est compliqué à dire. Unai n'a pas eu, la première année, on lui a laissé la patate chaude. La deuxième saison, bon, bah, il perd contre le finaliste, hein, en Ligue des Champions. Le reste, qu'est-ce que tu veux dire? Il a quand même eu un concours de malchance. Après, il a fait des erreurs. Évidemment, lui-même le reconnaît. Maintenant, je pense que c'est un grand entraîneur. Autrement, Arsenal l'aurait pas pris. Je pense qu'Arsenal, il aura peut-être plus de joueurs qui acceptent de se remettre en question qu'au Paris Saint-Germain. Et ce sera bien. Je pense qu'il a dû apprendre aussi des erreurs qu'il a fait au parc. Mais, écoute, je suis pas inquiet pour lui. Très très loin. Et Arsenal, il a peut-être une structure plus cohérente sur la forme et peut-être moins d'ingérence qu'au PSG. Peut-être qu'il n'aura pas de docteur qui fait des dispenses aux joueurs quand ils veulent pas jouer. Quoi. Peut-être. Enfin, je sais pas, je connais pas le docteur d'Arsenal. Mais bon, j'espère. Mais après, écoute, lui, c'est pas lui qui va critiquer le PSG ou ses employés, etc. Bien au contraire. D'ailleurs, on remarquera que sa sortie, que ce soit de la part de Nasser, les employés, globalement, à part quelques faux culs qui se prennent pour des dieux alors qu'ils connaissent rien au ballon, globalement, tout le monde va te parler en bien de Unai Emery niveau humain. Tu vas pas entendre un mec, c'était un connard, il a pas travaillé ou autre. Et ça veut quand même dire quelque chose, et je trouve que c'est une bonne chose que le Paris Saint-Germain soit quitté
et quitter son entraîneur en bon terme. Je trouve que c'est bien à la fois pour le club, ça honore Nasser et ça honore le staff de Unai Emery. Tu as parlé du docteur, tu en penses quoi? Par exemple, on a lu tous le livre de Paris United qui est fantastique d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai toutes ces anecdotes sur le docteur Roland qui est un ancien du club, qui est là avant le Qatar? Est-ce que c'est... Le docteur Roland, mais le jour où je sors la boîte à anecdotes, mais il y en a, ils vont me dire non, mais on peut en avoir une. Hollywood. Bah, t'as les dispenses. Déjà, ça, putain, c'est chaud quand même. Notamment pour les matchs à l'extérieur. Tu regarderas le nombre de matchs à l'extérieur que certains font pas ces dernières années. Bon, je vais te donner une anecdote. Ouais, elle est plus générale. Elle est pas sur le doc. Mais pour te montrer qu'à l'intérieur du club, bon, dans le parti du médical, voilà. À l'époque, t'avais Dario, le kiné de Zlatan. Un mec, Dario Forte ou Fonte, je me rappelle jamais de son nom. Dario, bon, c'est Dario. Un mec bien sous tous les angles, ultra respectueux, mais vraiment. Hein. Mais vu qu'il était étranger et qu'il s'occupait de Zlatan, bah, t'avais tous les kinés français qui lui faisaient la guerre. Genre, t'as vu l'autre, nanani, nanana, et il se foutait de sa gueule, il l'insultait. Et t'avais l'entraîneur perso de Thiago Silva, Marcelo. Alors lui, il se permettait d'insulter les gens, tu vois. Fils de pute, je vais te défoncer la gueule, connard. Et bah, le doc, il disait rien. Alors que le mec, il insultait des fois ses propres, enfin, son propre personnel, quoi. Donc, je sais pas, il y a des trucs. Moi, je me dis, au bout d'un moment, c'est pas normal. Et quand tu vois l'accueil qu'ils ont fait à Dario et tout, et il lui crache à la gueule après, pourquoi? T'as aucune raison, alors que le mec était sans doute beaucoup plus compétent que tout le monde. Bah, ça te montre un peu, tu vois, mais ça, après, je pense, dans tout club, notamment dans les médicaux, je sais qu'à Lyon, par exemple, t'as une grande rivalité entre l'ostéo, les kinés, les cils et là. T'as tout le monde qui va avoir raison. Au PSG, c'est un peu comme ça aussi. Donc, c'est assez marrant, la manière dont ils ont traité un des plus grands professionnels de ce sport, qui s'appelle Dario. Ils l'ont traité comme de la merde, quoi. Et notamment en le défonçant, enfin, tu vois. Alors, je sais pas, en théorie, tu pourrais apprendre des meilleurs. Bah, non. Bah, non. Donc, ça pose quand même pas mal de questions. Et mon Marcelo, maintenant, ne fait plus partie du staff du Paris Saint-Germain. Mais alors, lui aussi, lui, tu pourrais écrire un bouquin sur ce mec-là. Tu pourrais faire un bouquin sur ce mec-là. Il y aurait beaucoup. Mais sinon, les anecdotes sur le doc, elles sont vraies, et je te dis, je vais même te dire qu'elles sont légères et light. Contrairement à, parce qu'il y en a certaines autres, mais franchement, c'est chaud. C'est chaud. Et y a pas que sur lui. Au niveau des fuites, le club ne va rien faire au niveau des fuites dans la presse, au niveau, Mais après, ça existe de partout. Les tops, etc. Ça existe de partout. Et surtout, la plupart des mecs qui parlent, c'est des agents. Ils sont même pas au club. La plupart des gens, c'est pas des gens qui sont au club. Au club, ils font la chasse aux taupes, etc. Moi, je vais te dire. Ils sont persuadés qu'il y a certaines taupes. Je sais qu'ils ont deux mecs en tête. Mais ils se gourrent, mais à un point, mais c'est exceptionnel. Mais tu sais, à un moment donné, t'avais des gens qui disaient que c'était Igor Emery. Non, mais le frère d'Unai Emery, genre. Il serait derrière Paris United ou je sais pas quoi. Donc, t'as toujours ces légendes-là. Moi, je te dis, les agents, ça parle. D'autres, ça parle qu'ils sont pas au club. Mais ça existe de partout. Après, ça fuite. Il y a plein de trucs qui fuitent, qui sont faux. Puis au bout d'un moment, quand t'as Jean-Martial Ribes et Yann Dirin, donc un responsable de la presse, qui appelle directement les journalistes pour leur dire quoi noter, je veux dire, et après c'est eux qui vont faire la chasse aux taupes. Au bout d'un moment, c'est donnant. Je veux dire, si tu veux faire insérer des informations dans la presse, ils sont fuités des trucs, notamment dans la presse étrangère d'ailleurs. La plupart des infos que Paris fait fuiter, c'est fait fuiter en Espagne d'ailleurs, notamment bon contre Tebas, etc. Parce qu'il y a quand même une guerre froide un peu entre le Barça, la Ligue espagnole et le PSG. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de jouer les vierges effarouchées. Moi, j'ai pas peine à le dire que je connais des gens à l'intérieur du club et autres. Après, faut savoir, moi, je fais pas d'actualité, tu vois, moi, je m'en branle. J'ai pas d'agenda, je sers aucun agenda, moi, je m'en fous. Mais ça existe dans tous les clubs. Mais particulièrement à Paris, notamment autour des mecs, des parasites, je vais appeler ça. Parce qu'en même temps, si t'avais pas autant de mecs autour de certains employés, autour de certains dirigeants, autour de certains joueurs, bah, peut-être ça parlerait moins aussi. Puis bon, t'en as, ils sont bien planqués, hein, tu vois. Ils sont bien planqués, ils sont tranquilles, voilà. Après, je vais te dire, je dirais là-dessus, je donnerai pas le nom de l'employé, mais quand tu sais que t'as un mec qui fait la chasse aux taupes, qui accuse tout le monde de parler, bah moi je te dirais que c'est peut-être justement ce mec-là qui parle, tu vois. Un mec qui a été relativement protégé malgré son incompétence notoire. Un mec comme Marcelo qui gère Thiago Silva, tu crois qu'il parle pas? Bien sûr qu'il parle. Après, tu peux parler, moi ça me gêne pas, parce que si tu peux expliquer des choses. Après, si tu le fais dans un agenda qui est différent, ça on peut, bon. C'est autre chose. Mais tu crois que Thiago Silva, quand ça sort dans la presse, qu'il est pas titulaire face au Real dans l'équipe, tu crois que c'est comment? C'est son entourage qui prévient. Voilà. C'est une réaction ultra égoïste d'ailleurs. Après, est-ce que Thiago Silva le voulait? J'en sais rien. Mais en tout cas, les mecs, ils ont de rien.
Le mec qui a balancé ça, tu peux pas, parce que c'est une trahison. Trahison du vestiaire. Après, t'avais Michel Voisine aussi, donc les fuites vont moins sortir, parce que Michel Voisine, l'agent de Ben Arfa, il faisait que ça. Je vais même te dire, il y a des journalistes, ils notaient même pas ce que Michel Voisine disait, ce qui fabulait le mec. Donc bon, après, les taupes, tout ça, bon. On va rester calme, c'est vrai que t'en as pas mal, mais encore une fois, le PSG, je sais pas comment ils font pour être autant à côté de la plaque à penser que c'est lui qui parle, alors qu'il se plante, mais à un point, mais je te jure, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bon. Bon, est-ce que je peux t'en dire? C'est un peu un message caché. Quelqu'un, s'il écoute, il se reconnaîtra, peut-être. Mais les gens du club à la communication, quand je te dis qu'ils font erreur, mais c'est un ils se reconnaîtront, d'accord. Bah mais non, mais c'est non. Simple. Mais ils vont se reconnaître. Calribe et tous les gens qui bossent avec lui. On sait qu'ils sont persuadés. Ouais. Qu'on a certains qui font fuiter. Mais ils se trompent de mec. Donc si un jour ils ont un problème, bah, tu vois, ils ont mon numéro de téléphone. Peut-être que pour ça ils me répondront. Pour Gustavo Ebeling, non. Pour des trucs, non. Mais enfin, moi je suis pas une balance, donc ils pourront attendre longtemps. Mais je veux dire, s'ils étaient logiques, deux minutes, ils sauraient exactement qui balance. Et je dirais ça. Et même, c'est les gens qui m'écoutent, si vous êtes logique, 2 minutes, par déduction, vous l'avez. Le message est passé. Il suffit juste de connaître un peu comment le club est organisé, et ce qu'il y a autour du club, et ce qu'il y a autour du foot, et tu comprends tout de suite. Et c'est pas compliqué. Après, pareil, si tu veux des fuites, moi je vais te dire simple, tu vas dans plusieurs chichas de Saint-Denis, pas que t'as vu. Ah mais c'est une vérité, hein. C'est une vérité. Va parler à Jean Roch, tiens, à l'époque, s'il avait pas des infos sur le PSG, mais plein d'autres. Eh ouais. T'as aussi ça. Hein. Va au Bolbert, hein. Carlos, il part. Bon, Carlos, ça dépend avec qui il part. Mais si tu parles espagnol, tu vas au Bolbert, tu sauras toute la vie des Argentins, hein, si tu prends une entrecôte avec Carlos, le patron. T'as aussi ça, hein. Bon restaurant, d'ailleurs, le Bolbert. Surtout quand on m'invite. Parce que j'ai pas l'argent. Donc, comment tu jugerais Paris United, qu'on adore, bien évidemment? Pas, hein, le mec qui gère, donc, écoute, ça les dépasse, ce qu'ils font. Dans le sens, ils s'attendaient pas, je pense, à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils doivent faire gaffe sur chaque chose qu'ils peuvent dire, etc. Ils sont encore en apprentissage d'un métier qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est pas des journalistes, des écrivains, c'est pas ça à la base, Paris United. C'est des fans du PSG qui sont réunis. Ce qui est fantastique. Donc, ils découvrent quelque chose qui s'appelle la jalousie, des alliances en coulisses, des idées là. Pour moi, ils apprennent. Ils apprennent, notamment un que je connais très bien, même deux, enfin trois aussi. Et ça met du temps. Globalement, ils sont très très bien informés et je vais te dire de plus en plus. Et c'est pas au club. Pas au club toujours. Mais tu vois, quand ils font leur compte Europa United, je crois, ça te montre qu'ils ont un réseau qui dépasse le cadre du Paris Saint-Germain. Maintenant, on a des trucs où des fois je suis pas forcément d'accord avec eux. Mais globalement, en fait, si tu veux, ils ont beaucoup de vrais sur les transferts, c'est plus ça leur spécialité. Bon, c'est pas du tout ma spécialité. Mais ils apprennent encore, donc ils font des erreurs, c'est normal. Il faut qu'ils arrivent à se calmer, c'est pas parce que t'as des mecs qui t'insultent, etc., qu'il faut répondre et tout. Bon, des fois, c'est chiant, hein, je me doute bien. Maintenant, moi, j'avais fait une vidéo autour de leur livre que je trouve au niveau de la forme qui est pas bon, mais au niveau du fond qui est bon. Après, ils sont un peu, il y a eu des petits trucs en interne, il y a des mecs, tu vois, qui se font prendre pour des insiders. T'as même des gens qui, voilà, sont un peu pour les faire chier, se diviser pour mieux régner, comme on dit. Donc, ça a pété en interne, mais je pense que ça a pété dans le bon sens. Parce que la forme, il y avait, enfin, c'était pas possible. Maintenant, moi, je suis pas d'accord sur Paris United, c'est avec leur éditeur. Je connais, hein. Mais sortir un bouquin en novembre, ça. Est-ce qu'il y a une guerre contre eux, au PSG, contre Paris United? C'est aussi la question que tout le monde se pose. À un moment donné, t'avais quelqu'un au club qui avait réfléchi à embaucher un détective privé pour savoir qui c'était. Mais c'est là où tu vois que c'est des mecs, mais je te jure, en une heure, tu sais qui, mais t'as même pas besoin de chercher très longtemps, quoi. Donc, maintenant, je sais pas si ça s'est calmé ou pas, mais à une époque, c'était la furie, hein. À une époque, c'était en mode vendetta. Donc c'est assez, je sais pas où ça en est aujourd'hui. Le seul truc que je peux te dire, c'est que ouais, c'est, à l'époque, c'est très 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 tendu. Plus que tendu, même. Mais, c'était même un peu enfantin et sale, quoi. Après, je pense pas, pour connaître les mecs de Paris United, ils ont absolument rien contre le PSG et tout ça. Vraiment. Donc ça, par contre, qu'on les accuse de, je sais pas, de rouler contre le PSG, ça, par contre, c'est une connerie. Si vous voulez vraiment rouler contre le PSG, il faut autre chose. Je peux dire. Mais par contre, je comprends pas pourquoi le rééditeur veut s'acharner à sortir un livre en novembre. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt.
peut-être ça marche, parce que aussi il faut voir les choses comme ça. Leur livre, un livre sportif, était premier des ventes. C'est fantastique. Ouais, ça arrive jamais. Un livre de sport premier dans les ventes, c'est. Ouais, bon après ils ont fait, je crois, 20 000 ventes, c'est énorme en effet, mais enfin, c'est énorme. À l'époque c'était pas énorme, mais maintenant oui. Mais déjà un livre, même pas foot, quand il dépasse 5 000 ventes, c'est déjà beaucoup. Donc maintenant tes projets, tu prépares quoi? Un livre, une série sur YouTube, tu prépares quoi? Ouais, écoute, je continue mes vidéos. Plusieurs par semaine autour de la chaîne. Donc après, je travaille autour d'un gros projet qui sortira, je pense, dans 2 mois, c'est pas un livre, etc. J'en dis pas trop plus, mais ce sera notamment conception d'une émission toute montée, etc. sur YouTube, mais ça dépassera évidemment ce cadre-là. Et surtout, je travaille autour d'un bouquin, je suis en phase d'écriture, donc ce sera mon 5e, qui évoquera, on va dire, c'est diverses enquêtes, très profondes, fouillées, documentées. Donc l'apparition, voilà, là pour le coup, de pas mal de révélations assez troubles autour du milieu du foot, de ce qui contrôle réellement. Et ça s'appellera la Mano Negra. En France ou En France, en France ou pas. Oui, un peu de partout, au niveau mondial et tout, et on permet de vraiment comprendre ce qu'est le foot aujourd'hui. Et alors après, c'est pour ça que je prends un soin tout particulier à être sûr de ce que je dis. Donc vraiment, c'est des rapports de justice, ça a été un boulot très, 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 très intense en termes de recompilation d'infos et d'obtention de documents, parce que c'est vraiment pas facile d'avoir des docs. Je doute bien surtout des docs aussi sensibles. Parce que si je suis pas comme ça, on va me traiter de fou, de complotiste et tout ça. Alors qu'au final, c'est tout sauf délirant quand tu te bases sur des rapports de justice, enfin, sur du concret, sur des faits, sur du réel. Et quand je te disais au début que le foot, pour moi, est un cartel à part entière, c'est vraiment le cas. C'est triste, hein. Je peux pas te dire autre chose. Alors, ça peut être dangereux. Il y en a qui vont dire, ah, c'est dangereux, c'est ci, c'est là. Ouais, un petit peu. Mais en Angleterre, ce genre de truc surprendrait pas forcément. Mais en France, personne fait vraiment ce boulot. Et il y a des cas, honnêtement, si tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu te croirais dans un film. C'est qu'en fait, c'est la réalité. Et c'est pour ça que le degré d'analyse, quand t'as des gens qui, j'ai rien contre eux. Ceux qui pensent qu'aux sportifs, mais des fois faut essayer de voir plus loin. T'es sur un niveau politique, diplomatique, industriel, commercial, énergétique, même parfois. Et des fois c'est assez flippant quand tu te dis putain, mais c'est jusqu'où ça va s'arrêter. C'est imprégné du médiatique, etc. Je veux dire, un mec comme Guillermo Coppola, qui a été le deuxième représentant de Maradona, ou des mecs comme Paco Casal en Uruguay, qui ont tous les droits TV. Je veux dire, c'est quand même des mecs. Je connais quelqu'un qui a pris une balle dans la tête, quoi. Pour avoir parlé un peu de ces mecs. Il a pris une balle dans la tête, le mec. Romain, tu te dis après le foot, c'est pas criminel? Bah, excuse-moi, mais les gens, le foot ne l'est pas criminel, mais il a été criminalisé et pris en otage. Moi, c'est ce que je peux démontrer aujourd'hui, ce que je suis en train d'écrire. Et bah écoute, je pense que ça va, c'est un truc international et j'espère que ça marchera parce que. Honnêtement, ça me ferait, mais les autres livres, je peux comprendre, ça marche pas trop, mais celui-là, c'est pas n'importe quel truc, quoi, ce que je fais. Je sais que ça peut être dangereux, que ça pourra peut-être un peu changer ma vie, je te dis pas que je suis Robin des Bois, justicier masqué. Hein. Mais là, clairement, je pense que j'en ai un peu dans le pantalon, parce que ça, c'est vraiment des réseaux mafieux. Terrible. Je te dis pas tous, il y en a, je pourrais jamais dire, parce que je suis pas fou, je veux pas mourir, tu vois. Mais je sais qu'il y en a. Ça va faire chier du monde et je vais me faire attaquer dans tous les sens. Donc, écoute, j'ai signé pour ça. La vérité, la vérité que je crois, du moins les faits, me dépassent l'authenticité et l'honnêteté. Et je m'assois devant cet hôtel-là. Et si le prix à payer, c'est d'être poursuivi en justice, bah, je payerai double. Romain, t'es pas basé en France. Aujourd'hui, les grands médias en France, les grands médias sportifs, ils ne parlent pas de football comme toi, en fait. Ils parlent pas de l'aspect culture, l'aspect, les coulisses un peu sombres, tout ça, ce que t'es en train de faire. Est-ce que toi, tu te considères en mission aujourd'hui d'informer les gens, de révéler aux gens ce qui se passe vraiment? Pour toi, c'est une mission, ce que tu fais? Ah, moi, j'ai pas la prétention de dire que je vais apprendre aux gens quelque chose, globalement, changer leur vision du monde. J'ai pas cette vision-là. Parce que je ne suis pas un taré, comme beaucoup, qui ont justement cette envie et qui se mettent sur un piédestal. La manière dont je bosse, je suis tout seul. Je veux dire, je pense que je suis le seul indépendant total qui survit de son activité et qui en vit vraiment.
Il y en a qui essayent, hein, des mecs comme Lucarno Posé, Footballski, des mecs comme Furia Liga qui ont des sites, etc. Mais on n'est pas sur le même domaine. C'est-à-dire qu'eux, ils produisent beaucoup, 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 notamment des articles en se rapportant souvent à l'actualité. Moi, l'actualité, j'en ai rien à branler. Moi, c'est pas ça mon intérêt. En termes de réseau, déjà, je peux te dire, tu vois, je crois que j'ai plus de 1100 numéros sur mon téléphone. J'ai un réseau, je pense, en France, à mon âge, je pense qu'il n'y en a aucun qui l'a. Surtout, je me suis fait tout seul, ce réseau. Donc c'est pour ça, des fois, j'ai une position ultra arrogante. Et autant, je le sais. Mais c'est parce que quand je dis quelque chose, je suis 3000% sûr. C'est-à-dire, les gens, enfin, je te fais un récapitulatif des gens avec qui je parle tous les jours. Mais voilà. Si aujourd'hui, par exemple, je peux m'ouvrir ma gueule, je sais pas, sur l'Argentine. C'est parce que je connais tous les formateurs Driver, je connais Miguel Angel Brindisi qui m'appelle, qui est un des plus grands joueurs du football argentin. On parle, etc. Enfin, je peux ouvrir ma gueule, quoi. J'ai des documents, j'essaie de travailler sérieusement sur la longueur. Maintenant, ce que je fais, c'est un peu de c'est de l'artisanat, je suis tout seul, hein. J'ai personne qui m'aide, j'ai personne qui me soutient. Je vis loin de tout. Ouais, clairement, je suis allé en Corée du Nord. Je veux dire, je suis quand même allé en Corée du Nord, les gars. Donc, bon, à partir de là. Ouais. Personne qui fait ce que je fais. Notamment sur les coulisses, même au niveau culturel, ça se fait un petit peu, quand même, notamment sur Internet. T'en as plein qui le font très bien, hein. Des mecs, notamment Footballski, qui est pour moi un site exceptionnel. Mais c'est vrai que dans le terme des grands médias, à part Didier Roustan, je suis tout seul, quoi. Je prends un peu la relève, mais évidemment, avec nos différences, hein. Je sens que Didier, c'est un copain. J'espère pas lui faire d'emmerde en disant ça. Mais par contre, ouais, c'est vrai que moi, tu vois, j'ai reçu aucune proposition. J'ai aucune proposition, moi. Moi, je te dis pas que j'aurais accepté, hein. De toute façon, je veux garder mon indépendance. Mais, tu vois, par exemple, je vois Le Monde qui fait signer des chroniques à Maxime Miana et Eddie Fleck. Mais lol, quoi. Mais ça, tu vois, moi, je lis le New York Times et le Guardian, leur page sport, et je vois que Le Monde, il demande à Eddie Fleck et Maxime Miana de faire du lol, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est Clément Guy ou un type qui est brillant, hein. Bah, tu vois, je me dis, peut-être que c'est égoïste, je me dis, avec tout le travail que j'ai fait, que j'ai accompli, de même pas ne serait-ce que me solliciter, savoir potentiellement rien, je me dis, putain. Mais je vais pas m'en plaindre. Moi, je vais pas, contrairement à beaucoup, aller toquer aux portes pour me trouver un boulot. J'en ai pas besoin, et deux, j'en veux pas. J'en veux pas. Si on m'appelle et qu'on me contacte et qu'on me dit pour faire un truc ponctuellement, j'ai rien contre, tu vois. Mais moi, j'irai pas les chercher, j'irai pas chialer et pas me soumettre pour avoir un poste. Pour faire du desk après, faire le mec, tu sais, il y en a plein qui essaient de révolutionner le monde. Hop, ils font du desk maintenant dans des grands médias. Hop, tu les entends plus me contester, hein. Ah, ça y est, hein, c'est fini, hein. C'est les mecs corporate et tout. Moi, tu m'enlèveras pas ma liberté de ton et autres. Alors, je sais que ça déplaît, j'ai beaucoup d'ennemis, il y en a qui peuvent me trouver arrogant, pédant et ça, j'ai pas de problème. Mais le truc, c'est que ce que je fais quand tu parles de mission, ouais, moi, j'ai toujours fait ça dans mon idée, c'est de donner le maximum de moi, d'être fier de ce que je fais. Ma mission, c'est d'être heureux. C'est ultra égoïste, mon but, hein. Mais moi, ça me rend heureux. Moi, je travaille pas. Je m'amuse. Alors, c'est vrai, je fais du 60 heures par semaine, quasiment. Mais je m'amuse. Je m'amuse. Et ma mission, c'est d'être le plus honnête possible envers les gens. Et si je peux leur montrer un petit peu, leur donner des pistes de réflexion, bah, tu vois, ça me flatte comme pas possible. Si quelqu'un qui n'a pas lu se remet un peu à lire grâce à moi, ou essaie peut-être de s'informer sur d'autres choses. Moi, j'essaye des fois de vulgariser des concepts et je donne des articles en plus. Je mets tant le lien. Et si je peux aider un peu à ça, à quelques questionnements, mais évidemment que c'est un peu mon but derrière. Mais évidemment. Parce que j'ai la prétention, par contre, que toutes les enquêtes que je fais, elles servent à quelque chose. Et si je peux obtenir, montrer en lumière un réseau sombre, etc., ou montrer aussi des bonnes choses, des vraies histoires humaines, bien sûr, je vais essayer de le faire. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire sur Cavani. Maintenant, tout le monde parle de Cavani l'humain. T'as l'impression, mon livre, sans déconner, j'ai l'impression, ça, je pense pas dire une connerie. Depuis que j'ai sorti ça, t'as tout le monde qui dit, oh, Eddie, il est magnifique, la pêche, le style. Mais avant, il y a qui parlait de Cavani, de la personne? Personne? Zavi, il y a qui en parlait avant? Donc, quelque part, j'ai quand même la satisfaction de me dire que j'ai été, on va dire, un influenceur. Enfin, c'est pas ça, mais même un mec qui avait un peu d'avance, mais je trouve ça assez marrant. Même les mecs qui essayent de faire un peu comme moi, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui essayent de me copier, tu vois, de parler des avis, des affaires du foot, etc. J'ai envie de leur dire, mais mec, t'as jamais reçu un coup de téléphone d'un mec qui te dit, on va venir te buter, etc. ou ta mère, elle a pas reçu 200 ou 230 appels masqués sur son téléphone fixe alors qu'on est sur liste rouge, tu vois. Tu en as reçu, Romain? Des menaces, mais évidemment que j'en reçois. Bah, évidemment. Mais ça, après, pour le moment, c'est que dalle. Bah, à l'époque, quand j'ai fait mes dossiers sur Anderlecht et le Congo, j'ai reçu des menaces de mort. Parce que le mec qui m'avait appelé, il avait oublié de m'appeler et il s'était pas masqué. C'était ridicule. Mais j'ai reçu des lettres qui voulaient m'attaquer. Mais bien sûr, c'est pas mal. Je veux dire,
faut pas, ma mère, elle s'est fait hacker plein de fois, moi aussi. Au bout d'un moment, soit t'es parano, soit tu te dis bon. Moi, j'essaie de pas être parano, mais maintenant, tout est un peu crypté. Je vais pas te le cacher, j'ai les documents, ça tombe dans de mauvaises mains, putain. Voilà, quoi. Donc, je fais gaffe. Mais, je vais pas te dire que j'en ai plus, mais t'as un journaliste, par exemple, d'investigation qui s'appelle Costin Stucan, qui est un roumain, qui est un copain. Mais lui, par contre, c'est un vrai mec, toi, c'est le modèle, c'est le meilleur. Costin, c'est incroyable. Tariq Panja du New York Times, mais ça, c'est des copains. Rodis Recalt d'Argentine. Donc, moi, ce que j'ai la satisfaction d'avoir ce réseau-là, de bosser à l'international avec des mecs comme ça. Ça, c'est des mecs sur lesquels je peux m'appuyer, en qui j'ai totale confiance, des vrais mecs d'investigation. Et moi, j'ai la satisfaction, tu vois, quand même, d'être hautement considéré par ces gens-là. Et ça, c'est par David Cohn du Guardian aussi. Les mecs, au niveau international, c'est quelque chose, quoi. Donc, c'est magnifique pour moi. Tu vois, ça crédibilise ce que je fais. Mais évidemment que tu reçois des... Après la sortie, mon livre, quand il va sortir en octobre, mais bien sûr, j'aurai des menaces. Mais après, je suis pas taré. Je vois à peu près, je sais doser. Et après, hein, y a personne qui va venir me buter. Hein. Bon, arrêtez. Personne qui va venir. Bon, Zavi, on a rien à foutre de moi, il rigole. C'est pas un mafieux comme ça. Rien dire, ça n'a rien à voir. Par contre, t'as des mecs que ça va faire chier. Je vais te dire, si je m'attaque vraiment au foot français, j'aurai des menaces de fou. Parce qu'il y a une omerta terrible. Tu vas dans des clubs comme Troyes, comme Angers, comme Amiens, et tu commences à observer, et peut-être là, tu vas recevoir des trucs. Parce que c'est des petites frappes. Mais bon, ça, chaque chose en son temps. Et juste au niveau de Zavi, de la série que t'as faite d'ailleurs la saison dernière, l'été dernier, est-ce qu'ils ont essayé de rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu sais, est-ce qu'ils ont vu ce que t'as fait ou pas? Moi j'ai eu un mec qui m'a dit, mais tous ces mecs là, genre absolument les Zavi, mais évidemment qu'ils te connaissent. Et là il m'a dit, mais Zavi ça le fait rire. Faut savoir que Pini il est tellement au-dessus de ça, lui ça le fait marrer. Et écoute, moi j'ai contacté là pour mon prochain bouquin, parce que je retrace tout hein, Pini, hein, et donc avec des témoignages et tout, alors il y en a, ils sont terrorisés. Hein. Il y a même un mec, il m'a dit non, mais c'est pas moi, mon numéro a changé, c'est plus le bon. J'allais lui dire, connard, c'est ton assistant qui m'a donné ton numéro, je sais que c'est toi. Ah, mais bon, je sais qu'ils m'ont dit. Moi, j'ai reçu des appels il y a une semaine, 10 jours, d'un mec qui m'a dit, ouais, il veut te parler. Numéro masqué, le mec s'est pas présenté, ça durait 50 secondes, mais j'en ai reçu un autre. Ah, il veut te parler. Ouais, mais il faudrait que tu lui parles, ce serait une bonne idée. Tu serais intéressé, par exemple, de lui proposer une interview? Toi, d'interviewer, C'est un génie. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ce mec est exceptionnel. Ce qu'il a fait, il a un réseau qui s'étend de l'Amérique du Sud à l'ancienne URSS. C'est peut-être le mec le plus puissant du football mondial en termes d'agents. C'est incroyable ce qu'il a fait. Dans le relationnel humain, c'est un génie. Maintenant, évidemment, sauf qu'il donne pas d'interview et tout. Je pense que ces gens-là, mais c'est normal, c'est comme toi. Si tu sais que t'as des gens qui enquêtent sur toi, t'aimerais savoir où ils en sont, ce qu'ils ont comme connaissance et tout. Et après, tu peux essayer de les mettre sur d'autres pistes, etc. C'est normal, en fait. En fait, y a rien d'inquiétant, c'est même logique. Donc, tu vois, moi, j'ai absolument aucune crainte là-dessus. Je te dis, les mecs, donc, pour qui j'aurais peur, c'est les mecs de l'Est. Et ça, je vais pas m'y attaquer, parce que je veux garder la vie, tu vois. Mais j'irai pas m'attaquer aux Croates et aux Serbes, hein, et aux Russes, hein. Je suis pas taré non plus. Hein. Parce que là, moi, je connais des mecs qui ont fini dans des coffres de bagnole. Hein. Donc, bon, là, je ne vais pas donner les noms. Je vais pas dire, oh, bah tiens, la mafia albanaise. Non, non, c'est taré, mais quand même, je sais me tenir. Mais bon, ça m'empêchera pas d'en parler un petit peu. Et cet été, on peut s'attendre à la suite. D'ailleurs, sur la série sur Sochaux, je pense que tu vas faire la suite. Ouais. Zavi, ça va revenir. Ah, dans mon livre. Et dans mon livre, il y aura énormément de... Ouais, de révélation, de surtout de compréhension aussi de comment ça se passe, de qui sont ces mecs. C'est en fait ces mecs-là, c'est des personnages de films et de séries. Juan Figuera, le premier des grands 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 agents. Bon bah par exemple, personne peut dire qu'elle agit là. Moi, je vais te dire juste une anecdote pour te montrer mes recherches jusqu'à où je vais. Ça c'est dans mon livre. Juan Figuera Zbirski s'appelle. Il vient de, en fait, une partie de ses ancêtres du côté maternel. J'ai réussi à me démerder à trouver. A émigré de Pologne au tournant du 20e siècle, comme beaucoup de personnes qui étaient dans les pogroms et autres. Mais lui, je sais pas d'où il vient exactement, je sais pas quelle partie de Pologne viennent les Zwierski. Bon, sauf que lui, il s'est établi à Montevideo dans les années 30. Ok, donc ses parents étaient là avant, notamment sa maman. Donc je me suis dit, bon, t'es pas plus con qu'un autre, tu connais l'historien spécialiste de la communauté juive du Uruguay, il a forcément les archives. Et bah rien. Il a un Zwierski, mais avec un Y. Et ben, moi, le mien, il a un I. Donc, on sait pas quand il est arrivé, la famille.
Alors, je peux te dire le nombre de juifs qui vivaient à Montevideo, ce qu'ils faisaient, etc. Mais lui, il n'y a pas de traces. Et pour te dire, je suis essayé de remonter là pour essayer de remonter les traces, parce que moi, ça m'intéresse. Je me dis, comment un mec dont la famille vient de Pologne, qui vit dans des conditions ultra modestes en Uruguay en plus, on parle pas de Buenos Aires ou de Rio, hein, qui vend des t-shirts à la sauvette dans les rues de Montevideo, il termine à ce niveau-là. Quand même incroyable, faut être un génie, tu vois, quelque part. Donc, et le mec, c'est pas, et donc, c'est un jeu de piste, quelque part. Tu vas essayer de fouiller les déclarations d'impôts que tu vas trouver de la doc, les rapports de justice, et s'il est là, tu te dis, mais attends, là, il y a une date de naissance, après, il y en a une autre, c'est quoi ce bordel? Et voilà, c'est un peu ça, mon boulot. C'est d'aller au bout du truc. Puis, tu sais, j'ai quand même un réseau, des fois, je reçois des photos, d'archives de mecs, bah, lui, tu vois, c'est le chef de la police de tel truc, lui, c'est le chef des services secrets de tel machin, lui, c'est un agent de la CIA, enfin, tu vois, et tout ça, c'est lié au foot. Donc, c'est à la fois fascinant, ça peut être un peu flippant, mais voilà, faut aller au bout du truc, quoi. Et l'histoire de Juan Figuer, moi, je terminerai juste là-dessus. J'ai terminé le chapitre. Moi, ce mec-là, il est exceptionnel, parce qu'en plus, c'est pas une canaille, c'est pas un salaud! C'est un mec, les gens l'aiment bien, parce que c'est pas un bandit! C'est pas un bandit, mais par contre, voilà, c'est un type, tu le regarderais physiquement, pour ceux qui écoutaient, mais t'es Juan Figuer, regardez les photos qu'il y a. Tu te dis, c'est lui qui domine le foot mondial, c'est lui? Je pourrais pas le croire. Mais tu peux pas le croire. C'est un mec qui fait 1m57, pour 90 kilos, il a des petites lunettes carrées, une chemise blanche ou à rigueur bleuâtre, une cravate savamment nouée, et t'as l'impression que c'est un prof de maths, quoi. Et le mec, bah, c'est lui qui a tout inventé. Grand respect. Figuer, quel homme. Et lui, par exemple, il m'a dit qu'il répondrait pas, tu vois. C'est des mecs discrets. Donc, c'est fascinant. Et ça, c'est de l'enquête et c'est ce que j'aime. Au fond, c'est, je pense que si quelqu'un achète mon bouquin, c'est pour apprendre quelque chose. Et ça, il le retrouvera pas dans Wikipédia, il le trouvera pas ailleurs. Il le trouvera qu'ici. C'est ma mission. Juste pour conclure, ma dernière question, c'est plus un classement. Est-ce que tu peux me classer, selon toi, les 3 ou 4 meilleurs journalistes français qui sont honnêtes, qui font du bon travail à tes yeux, aujourd'hui? Pierre Villemot, rédacteur en chef de Football Ski. Philippe Auclair pour les enquêtes. Et les sujets de culture. J'aime pas trop le Philippe d'actualité pour mon gâche. Didier Roustan. C'est un peu mon père adoptif, Didier Roustan. Le prof est Didier. Dédicace à lui. Ah, bah, c'est plus qu'un copain. Alban Traquet, journaliste d'investigation à l'équipe. Clément Guillou, du Monde. Et je vais te dire un autre nom, je vais te dire Laurent Favre, responsable sport de la rubrique suisse Le Temps. Je vais citer en Suisse. Et Nicolas Villas aussi. Ouais, ce mec-là. Ouais. Je pense que eux sont très très bons. Après, t'en as d'autres, hein. Mais eux en particulier, je veux dire. D'accord. Donc, sortie du livre dans 2 mois, c'est ça? En octobre, en théorie, mais il faut que je le termine et c'est pas facile. D'accord. En tout cas, on te retrouve donc sur ta chaîne, la suite de la série sur Sochaux. Il y aura d'autres vidéos. Quand j'aurai terminé d'écrire mon bouquin, il y aura quelques surprises. D'ici un long moment, il y aura une grande série sur le surplus financier. Aussi. Il y aura d'autres surprises. Après, je verrai quelle série je vais faire niveau enquête, parce que je te cache pas que la Mano Negra, je pense le faire en 2 tomes si ça marche. En fait, honnêtement, je pourrais écrire 3 bouquins. D'accord. Ah, et tu vois, même les titres des chapitres, tu vois, j'ai créé un chapitre, le premier c'est une ombre derrière des vides blindées. Le deuxième c'est la loi du silence, le troisième c'est le représentant de Dieu. Enfin, tu vois, ça va être un truc. En fait, c'est pas un bouquin simple à comprendre. C'est pas un bouquin simple dans le sens, c'est un bouquin qui se présente un peu comme un film. Enfin, c'est des petits trucs, tu vois, avec des guests un peu. Parce que c'est les mecs, c'est Juan Figuer, je te dis, el presidente, le chess master, le fantôme. C'est qui Juan Figuer? Et voilà. Et au final, tu vas t'apercevoir que ces gens-là, c'est eux qui gouvernent le football mondial, quoi. Donc, je pense que tous ceux qui ont un intérêt vers le foot, et même pas que le foot, qui aiment les enquêtes, et le contexte et tout, bah, ils apprendront plein de choses. Enfin, j'espère. Notamment sur l'Uruguay, un pays où, paraît-il que les fantômes sont vivants. C'est le seul pays au monde. Mais bon, faut pas le dire trop fort parce que, après, nous. On va en tout cas suivre tout ça. On espère t'avoir une troisième fois plutôt pour en parler à l'approche de la sortie du livre. En tout cas, c'était un plaisir, Romain Molina. Merci à toi. Et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation parce que je parle trop.
Non, il y a pas de souci. En tout cas, merci à toi, c'était vraiment très 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 intéressant et je pense que les gens vont aussi le témoigner dans les commentaires. Béchir, si je peux juste te faire une remarque, on a dû te la faire 15 fois, mais je t'encourage vraiment à continuer parce que c'est très très intéressant. Pour ceux qui sont dans le foot et dans le journalisme, tu apprends des choses, notamment sur le foot, des aspects du foot qui sont complètement délaissés dans le traitement de l'actu en France notamment. Et c'est ultra ultra intéressant et vraiment c'est. Alors toi tu fais ça pour te flatter, tu l'as clairement dit, mais c'est enrichissant. Si, non, je vais pas me flatter, je le fais. En fait, ça me rend heureux d'apprendre des trucs. Et ça me rend heureux de découvrir des mecs. Tu vois, par exemple, j'adorais sortir un bouquin sur Falcao et la Colombie. Mais j'ai quand même retrouvé le mec et le sélectionneur de Bogota, moins de 12 ans. Mais il est génial comme mec. El profe Henry Celis. J'ai retrouvé tout le monde. Hein. Là, j'ai un type Omar Bernal. Mais personne connaît Omar Bernal. Je sais même pas si sa famille le connaît. Mais il a joué à Tourra avec Falcao. Bon, bref. J'adore faire ça parce que j'apprends plein de choses sur le pays. En fait, c'est pour ça. Après, je peux faire des vidéos sur la Colombie ici et là. Parce qu'en fait, j'ai interrogé peut-être 50 mecs. Donc après, je commence à comprendre, tu vois, le gracias y a Dios, ils sont venus tous me le dire. Bah, forcément, après, ça veut dire quelque chose sur le pays. J'adore lire. Donc en fait, je le fais parce que ça m'en heureux de faire ça, tu vois. Ces vidéos pédagogiques un petit peu de, bah, j'adore ça, en fait. Donc c'est parce que ça, avant tout, c'est parce que ça m'en heureux. Je veux faire un truc pas pour plaire. Je veux faire un truc qui d'abord me plaît, où je me reconnais. En fait, c'est ça. Et après, si ça peut donner des pistes de réflexion et aider certaines personnes et qu'ils apprécient, mais c'est mon bonus. Mais avant tout, tout ce que je fais, je le fais pour moi. Je le fais pas pour que ça plaise. Moi, j'ai pas une logique en mode, je vais faire ça parce que ça marche et tout ça. Sinon, je parlerais beaucoup plus du PSG, etc., tu vois. Mais je m'en branle. Je fais ce que j'ai envie de faire. Toi, en tout cas, c'était un vrai plaisir et au plaisir de t'avoir une nouvelle fois. En tout cas, c'est très passionnant. On invite les gens à aller sur ta chaîne YouTube, Romain Molina, c'est ça? Exactement. C'est bien ça. Il y a même des playlists maintenant. Putain, les vidéos sont organisées, tout arrive. Ouais, j'allais te faire la remarque. C'est vraiment, là, c'est bien organisé. Donc, ouais, enfin, bien. Jusqu'à là, mais. Ça va. C'est bien, les séries, tout ça, Zavi, bon, c'est nickel. En tout cas, on invite les gens à aller dessus. Merci beaucoup une nouvelle fois, Romain Molina. C'est bon. Merci Clément Pernia. Merci Lloyd du Château. Et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée à tous. Salut.